faire des deux jeunes électrocutés à Clichy dans un transformateur EDF. C'était en 2005. La Cour de cassation a annulé le non-lieu qui avait été annoncé en faveur des deux policiers et c'est la Cour d'appel de Rennes qui sera chargée de réexaminer l'affaire. Dans l'actualité sociale maintenant et décidément, eh bien, les annonces de suppression de postes s'enchaînent. Cette fois, c'est au tour de l'entreprise Sabena Technique de Dinard d'annoncer la suppression de 149 postes. C'est près d'un tiers de ses effectifs. L'entreprise spécialisée dans la maintenance d'avions militaires et civils est en fait obligée eh bien, de faire des choix stratégiques pour mieux assurer sa survie. Reportage de Gilles Lemorvan et de Serge Lenon. À Dinard, à deux pas des pistes de l'aéroport, la Sabena Technics fait de la maintenance sur des avions civils et militaires, des révisions en somme. 490 personnes travaillent ici, mais le site va donc perdre le tiers de ses effectifs. Face à la concurrence des pays de l'Est, nous ne sommes plus compétitifs, se justifie la direction. L'activité civile va donc s'arrêter. Il existe aujourd'hui plusieurs prestataires qui proposent les mêmes services que nous, mais qui sont établis donc dans ces pays. Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Estonie, Lituanie, qui n'ont absolument pas les mêmes coûts main-d'œuvre que nous et qui évidemment peuvent proposer des prix de vente inférieurs aux nôtres de l'ordre de 20 à 30%. À la clé donc 149 suppressions d'emplois envisagées, mais si la concurrence à l'Est est réelle, reconnaissent les salariés, elle a quand même bon dos. On voit certains de nos avions partir sur d'autres sites français comme Bordeaux, disent-ils. Et puis on a vu aussi ces dernières années l'actionnaire faire le plein de dividendes. On trinque par rapport aux objectifs que se fixe l'actionnaire à en vouloir toujours plus. On s'est décarcassé dans cette entreprise, on a subi des coups durs, on a fait des efforts considérables pour protéger l'outil, pour sauver l'outil. Et on est encore prêt à le faire et on s'aperçoit que notre direction baisse les chines et d'une volonté délibérée décide de fermer une partie de l'activité Airframe Civil. Une centaine de propositions de reclassement vont être proposées sur d'autres sites du groupe en France et à l'étranger. Ici, la moyenne d'âge des salariés est d'une grosse quarantaine d'années.